Good morning, Aleiden. Nous étudions aujourd'hui Maseret Tanit, Parigdalet, Mishna Gimel. V'anshe Ma'amad ayumit anin arba yamim b'shavua. Miyom sheni ve'ad yom chamishi. Ve'lo ayumit anin erev Shabbat mipetik vodah Shabbat. Ve'lo bechad b'Shabbat kedesh shelo yetzu mimenucham ve'oneg ligi'a ve'tanit ve'yamutu. Ba'yom harishon bereshit mihi rakia. Ba'sheni yehi rakia ve'kavu ha'mayim. Ba'shlishi kavu ha'mayim ve'hi me'orot. ברביעי יהיה מאורות וישרצו המים, בחמישי ישרצו המים ותוצא הארץ, בשישי ותוצא הארץ ויחולו השמיים. פרשה גדולה קוראים אותה בשניים, והקטנה ביחיד, בשחרית ובמוסף. ובמנחה נכנסים וקוראים על פיהן כקוראים את שמה, ערב שבת במנחה לא היו נכנסים מפני כבוד השבת. On continue dans notre Mishnah, c'est le sujet essentiel de tout notre chapitre. Que le sujet des Ma'amadot. On avait expliqué déjà que au Beth Amikdash, il y avait les Kohanim qui faisaient la Avoda, les Lévim qui chantaient. Il fallait aussi des représentants Bnei Israël qui partaient en partie, certains au Beth Amikdash, d'autres qui se retrouvaient dans leur synagogue, dont ils se réunissaient pour prier ensemble, parce qu'il fallait prier au moment où il y a le Korban public qui est. Korban Tamid du matin et de la veille du soir, et tous les Korbanot des Moussafim qui sont en ce moment en train de se faire sacrifier au Beth Amikdash pour expier des fautes du Ham Israël. En l'occurrence, ça n'est pas possible que tu imagines, tu es en train de jouer aux cartes pendant qu'au Beth Amikdash tu es en train de faire tes kaparot. C'est ça, il y a une petite incohérence. Donc, du coup, puisqu'au Beth Amikdash on est en train de te faire une kapara, toi de l'autre côté, tu fais une prière, tu fais des tfilotes, tu jeûnes, tu pries Hachem. Et donc, on n'a pas demandé à tout le monde de prier à ce moment-là, mais on a demandé malgré tout d'avoir des représentants qui allaient se réunir dans les Beth Knessiot pour prier en parallèle. Ça, c'est le principe du Anshe Ma'amad, les gens qui se réunissent pour soutenir en tefillah. Et sur ça, on va voir maintenant que Anshe Ma'amad ayumit anin arba yamim bashavua, que les gens du Ma'amad, de cette tefillah spéciale, ils devaient jeûner 4 jours durant la semaine. Il mangeait la nuit, mais 4 journées il devait jeûner. Qui correspondait à Miyom Sheni Vadom Khamishi. Du 2e au 5e jour, donc du lundi au jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, le compte est bon, ça fait 4. Par contre, Veloayo Mitanin Erev Shabbat Mipene Kvoda Shabbat, il ne jeûnait pas la veille de Shabbat, donc le vendredi, en l'honneur du Shabbat pour ne pas entrer le Shabbat avec affamé et un peu. Nerveux, fatigué, pas en bonne forme, donc il fallait pas jeûner le veille de Shabbat, et pas non plus Velo Be'echad Be'Shabbat, et pas non plus le premier jour de la semaine, le dimanche, même si j'aime pas dire le mot dimanche, sachez-le, dimanche, c'est un mot qui vient des Goïm, de la Vodazara. En anglais, on dit Sunday, le jour du soleil. En hébreu, on a traduit le soldi en dimanche dominico, je sais pas quoi, ça veut dire le jour du Dieu, en l'occurrence. Donc c'est très catholique. Mais bon, enfin, Yom Rishon, donc le premier jour de la semaine, Kede Shelo Yetsu Mimenucha Ve'oneg Ligia Ve'ta'anit Ve'yamutu. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas jeûner, en tout cas, le premier jour de la semaine? Parce que, afin que tu ne sortes pas d'un jour de Menucha et Ta'anouk, un jour de sérénité, de plaisir, le Shabbat, où on se détend beaucoup, et on mange beaucoup, et on est en grande détente, et tu fais, d'un coup, tu passes d'un jour tellement agréable, un jour tellement dur, le choc, il peut être trop violent, ça peut être dangereux, ou nocif, ou trop insupportable. C'est une des raisons qui est rapportée dans le partenariat. Il y a plusieurs raisons dans le Gemara, mais on va se contenter de celle-là. Donc, mi menucha ve'oneg, le'yegia ve'ta'anit ve'yamutu, ve'yamutu, qui risque d'en mourir même. D'accord? À part ça, donc, il fallait se réunir et faire des tefillot. Bien. Bayom Arishon, il fallait aussi sortir le Sefer Torah. Mais qu'est-ce qu'on lisait dans cette lecture de la Torah? Ben c'est très simple. Puisqu'en ce moment, tu es en train de faire des mamadot, parce que Hachem, il a. Tu viens. En deux mots, quoi. Tu es en train de. Au Beth Amikdash, il y a les korbanot qui sont en train de se faire. Le monde, il repose sur les korbanot. Pour pouvoir exprimer le fait que le monde, il repose sur les korbanot, tu vas, toi, à la synagogue, lire la création du monde durant toute la semaine, que tu vas la partager. Avant qu'on va lire le texte, je vais d'abord vous expliquer deux principes très simples. Donc il faut lire la création du monde, comme ça, on comprend bien que c'est Bizrout, le Korbanot, que Al-Shloshadorim Olamed, à la Torah, à la Bouddha, Balgimonot Rasadim, la Bouddha, c'est la Bouddha du Beth Amikdash, aujourd'hui les Tfilot,
Donc de ce fait, tu vas lire la création du monde, comme ça, on va bien comprendre que c'est grâce à ce qu'on est en train de faire en ce moment que le monde tient, qu'Hachem maintient le monde. Maintenant, donc il faut sortir un Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on va lire dans le Sefer Torah? Alors vous savez que quand on monte à la Torah, il va falloir trois personnes qui vont monter. Trois personnes qui montent, chaque personne qui monte, il doit lire au moins trois psukim. Je te demande de lire les jours de la création du monde. T'as un problème, parce que chaque petit paragraphe de la création du monde, tu auras entre 5, 3, peut-être 6 psukim à un moment, je crois, peut-être le vendredi, c'est le plus long. Le vendredi, ouais. Donc, il n'y a pas de quoi faire 9 psukim. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est simple, on va faire que chaque jour tu lis, le jour et le jour qui suit. Donc tu commences le dimanche, enfin, le Yom Rishon, donc on a dit, tu lis Bereshit Bara Elokim, et après tu lis Yehim Meorot Birkiya Shamayim. Le lundi, tu fais Yehim Meorot, et va tout ça arrête ses déchets, le troisième jour. Et comme ça, tu vas avoir en général au moins 9 psukim. Il va y avoir une seule petite galère, c'est le, je crois que c'est mardi plutôt, je crois, où il va y avoir que 8 psukim. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va prendre la paracha des 5 psukim et deux avis dans la Gemara. Un qui dit que tu prends, tu lis deux pasukim et tu coupes en deux et l'autre il lit l'autre moitié. L'autre il dit non, tu lis 3 et tu reprends un en arrière et tu relis 3 de nouveau. Comme d'ailleurs ce qu'on fait à Rosh Chodesh, qu'on reprend un pasuk en arrière. C'est aussi un problème technique parce qu'on ne peut pas s'arrêter n'importe comment. Et donc du coup, pour pouvoir laisser 3 psukim, on va reprendre un pasuk en arrière. Ça c'est le principe général. Donc il faut 3 personnes qui vont monter. Et on va lire donc un jour plus le jour qui suit. Et donc ça va nous faire que quoi? Que Bayom Rishon, le premier jour, tu vas lire Bereshit et Virakia, la paracha de Bereshit et la paracha de Virakia, Bimorot, Birkiya Shamaim, quand Hashem a fait la lecture du deuxième jour. Donc, et Bacheni, le deuxième jour, tu vas lire Yehirakia, Veikavu Amaim. Et vous savez ce qu'Hashem a créé chaque jour, quand même, j'espère. Bon, le premier jour, ça, il a créé la lumière, le deuxième jour, il a créé Rekia, c'est le ciel. Et le troisième jour maintenant, c'est Ikavu Amaim. Il a fait deux choses. Il a réuni l'eau et il a séparé la terre et de l'eau en bas. Et Bashlishi, il va lire Ikavu Amaim. Donc que l'eau se réunisse, les terres et Bacha. Et après, il va lire Vim et Oroth, la création des astres. Yehim Erot, Birkiya Shamaim. Barvi, c'est le jour de la création des astres. Donc il va lire le quatrième jour, c'est Yehim Erot. Et ensuite, Ishretso Amaim, la lecture du cinquième jour, la création du cinquième jour, où c'est maintenant les poissons et les oiseaux. Ensuite, Bachamiché, le cinquième jour, il va lire Ishretso Amaim, Betose Aret. Le cinquième et le sixième jour, Ishretso Amaim, les eaux qui vont pulluler, et qui va y avoir des poissons. Et Betose Aret, c'est le fait que la terre va faire sortir les mammifères. Bachichi, le sixième jour, il va lire quoi? Il va lire Tose Aret. Et Veicholo Hashamaim, le sixième jour, la création des animaux, des mammifères, puis de l'homme. Et après, Veicholo Hashamaim, le jour du Shabbat. Ensuite, la Mishnah, elle me dit, Parasha Gdola, une Parasha qui est longue, Korinota Mishnaim, tu la coupes en deux personnes vont monter dedans. Comme ce qu'on expliquait avant, s'il y a 6 psukim, tu coupes en deux, s'il y a 7, tu coupes aussi en deux, tu fais 3 et 4, s'il n'y a que 5, et que c'est la Parasha longue, alors cette fois-ci, tu vas faire comme on a dit, que tu vas reprendre un petit peu en arrière, ou tu vas couper un peu en deux, selon les deux avis. Korinota, donc, une Parasha qui est longue, Parasha Gdola, quand on dit une Parasha, c'est un paragraphe de la Torah, oui. Un paragraphe de la Torah qui est long, Korinota Mishnaim, tu lis avec deux personnes, Vaktana, et c'est la plus petite des deux. Eh bien, tu l'as lu avec une seule personne qui monte. Be Shacharit ou Be Moussaf. Les Mahamadot, ils devaient prier à la Beth Knesset. Shacharit, si c'est un jour Moussaf, il prie Moussaf. Et il prie aussi à Mincha. Alors, Be Shacharit ou Be Moussaf, ils doivent sortir le Sefer Torah pour lire. Tandis que Uba Mincha, pour Mincha, alors on ne va plus les fatiguer à sortir une troisième fois un Sefer Torah de la journée. Ils avaient déjà sorti un Sefer Torah pour Shacharit, un Sefer Torah pour Moussaf. Là, pour Mincha, Nichnasin, ils vont se réunir. Be Korin Alpiem, chacun il va lire tout seul. Il va lire la Paracha, mais par cœur. C'est pas la peine de le lire à partir de Sefer Torah. Kekorin et Shema, comme ce qu'on lit le Shema. Pourquoi est-ce qu'on insiste comme ça? Parce qu'en fait, en théorie, toute paracha qui est écrite, si on veut quitter le public avec, il faut la lire à partir d'un Sefer Torah. Mais si on veut s'acquitter pour soi-même, alors on peut même la dire en Baal Pé, comme ce qu'on fait pour la Kriyat Shema. En l'occurrence, pour les Mahamadot, il disait par cœur. Erev Shabbat Bamincha, lo hayu nichnasim, le vendredi, d'Aïd de Shabbat, à Mincha. Alors, Loayou Nichnassin, on ne leur demandait pas de venir prier tous ensemble. Déjà, ils ne jeûnaient pas, ce jour-là. Ils devaient quand même faire les tfilot. Mais malgré tout, ils faisaient les tfilot, mais pour Mincha, il n'y avait plus le Mahamad, ils ne se réunissaient pas pour faire les tfilot. Parce que, Mipnei Gavat Shabbat, pour qu'ils soient libres pour préparer leur Shabbat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Kol Tov Selam.